Tiens, alors regarde celle-là. Regarde-les bien, là, toutes les deux. Et tu verras quand elle vient, si elle vient, le visage qu'elles ont. Moi, je l'ai trouvée mauvaise mine. Et tu verras la chose comme elle a changé hein, depuis 2 heures. On verra bien si elle vient. Moi, j'ai encore des doutes. Qu'est-ce que tu as? J'ai encore des doutes que ma soeur, elle vienne. Ah bon? On verra. Si elle ne vient pas, elle va nous manquer. Voilà Céline. La vedette. Bon appétit. Hein. Voilà Céline. Bonne année. Meilleur vœu, oui. Merci beaucoup. Ouais. Bonne année. Tu as réussi? J'ai réussi, je suis là. Eh bien, ça va. Tu avais promis, tu as tout. Je suis à l'heure. Ça va? Un peu tu peux aussi un peu. Céline, il faudrait que tu perdes du poids. Regarde les photos. Photos du mariage où tu n'es pas venue, tu comprends? Tu achètes une gazette pour la regarder. Voyant les alliances, d'ailleurs, si tout va bien, l'année prochaine, je fais mes vœux définitifs. Donc, vous êtes tous invités. Si... Je pense que ça sera en octobre. Je demande, je ne demanderai jamais de te détacher de ce que tu as choisi. Je sais bien. Pas, non, mais d'abord je serai battre. Tu as fait un choix, comme tu dis. Mais de l'autre côté, tu sais que le plaisir que tu nous donnes, ce qu'on éprouve, ce n'est ni intéressé. Sinon d'avoir le bonheur de te voir. C'est pas grand chose que te demande. Tu vois bien. Je sais. C'est simple. C'est simple. Je te mais... demande pas. Mais si ça tu fait passes d'une... 10 heures avec les autres, je te demande pas d'en passer 10 avec nous. Tu passes 10 heures avec les autres, 1 heure avec nous. Eh oui, mais quand tu as rencontré mamie, tu n'as pas fait le calcul dans ta tête. Tu as établi ta vie avec mamie. Oui. Et ça s'est établi, point final. Et après, vous avez organisé votre vie. Moi, aujourd'hui, j'ai établi ma vie dans une communauté, dans une vie de prière, qui m'appelle aussi à un renoncement. Et tout être humain, à un moment donné de sa vie, pensera à lui et à son bonheur. Mon bonheur à moi, il est là, aujourd'hui. Et si on extrapole cette façon de voir, s'il y avait une majorité des gens qui suivraient cette voie, c'est la fête du monde. Pas du tout. Ah, si. Bon, Céline, je vais te faire la bise quand même. Et oui. Qu'on ne s'est pas beaucoup vu, on a été quand est-ce que se voit un peu. Je t'appelle. Eh, tu m'appelles un peu. Tu peux, de façon qu'on se voie un petit peu. On verra quand même. Hein. Voilà ce qu'elle me répond Céline, qu'elle a une nouvelle famille, qu'elle se doit à la nouvelle famille. Et voilà, mais il faut que je l'accepte, qu'est-ce que tu veux de moi, je ne l'accepte pas. Ouais. Qu'elle fasse sa vie là-bas, mais j'estime qu'elle n'a pas à nous abandonner. C'est tout, je ne lui dis pas de ne pas y aller, puisqu'elle est heureuse. Je sais bien qu'elle est heureuse là-bas. Elle a du courage de crâne, elle est venue, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a bien eu les recommandations, elle est restée 1 heure montre en main et elle est repartie. Le problème est réglé. Il n'y a plus de famille. C'est vraiment un lavage de cerveau complet. On fera ça sous nous aussi. Et oui, mais on ne peut pas quand même non plus te couper les ponts. Attends, c'est pas toi, c'est elle qui coupe les ponts. Tu n'as pas le choix de toute façon. Ah non, mais enfin, je ne voudrais pas en arriver là, à la perdre complètement. Et c'est cette femme qui a créé ce groupe. Ah oui, Christiane. Comme ça, du jour au lendemain, elle a décidé. Je pense. Non, ça existait déjà, les charismatiques. Ça existait, oui, mais elle s'est glissée. Elle s'est glissée dedans. Voilà. Elle, c'est une femme mariée qui a des petits, qui a sa maison, qui a son mari. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut lui faire comme vœu solennel. C'est pas quelqu'un de l'église, c'est pas... C'est ça que je comprends pas. Elle parle très doucement, elle fait la femme très douce. Mm-hmm. Très fausse. Mais très fausse. Elle est très fausse. Seulement pour des personnes faibles d'esprit, ouais. Ils le voyaient pas. Ils regardent la gentillesse et ils se laissent appâter comme ça. Voilà. Et après, c'est nous, on t'aime, t'as des problèmes dans ta famille, mais nous, on est là, c'est pas grave, on est toujours là, tu peux toujours compter sur nous. Et voilà. Bénis cette maison, Seigneur. Bénis chaque frère et soeur qui vivent, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
Il me revient en souvenir la première fois où tu es venue avec un ami. Et tu pourrais nous partager, parce que c'est tellement beau, ce sont des trésors. Hein. Juste à l'instant où on a posé les mains sur moi, j'ai vu comme une lumière en moi qui s'est... J'ai vu quoi, une lumière blanche, j'ai pas compris d'où ça venait. Ça avait complètement changé quoi. Mais Dieu se manifeste, je vais lui demander. C'est simple, c'est très simple Dieu. C'est vraiment le doigt de Dieu qui vient et qui t'embrasse quoi. C'est là où l'intimité avec Dieu te... Dieu est beaucoup plus... Oui. Te percute quelque part, oui. Voilà. Combien de jeunes, même dans le quartier, se sont suicidés dernièrement. C'est triste. Alors que l'on pourrait peut-être apporter une solution à leurs questions. Ne serait-ce que par la réponse de l'amour de Dieu, de cette rencontre de Dieu, tu les sauves. Hein, tu les sauves. Après, la liberté de chacun de vivre selon sa propre personne, mais au moins de... Je serai prêtre ou responsable de collège, de lycée. Je mettrai tout le monde à genoux. Je parlerai du Saint-Esprit. Bonjour madame, c'est une invitation pour le groupe de prière tous les mardis soirs à la basilique du Sacré-Cœur. Et c'est quoi la communauté ? C'est une communauté du renouveau, donc dans laquelle diverses vocations sont possibles. Vous avez des personnes qui s'engagent en tant que laïc consacré. Regardez, vous marchez sans vous regarder. C'est important de se regarder. C'est important, regardez, ce n'est pas une secte. Je vous invite à venir prier au Sacré-Cœur avec nous. On ne peut pas se déplacer. Je mènerai mon mari, mais moi, je ne peux pas aller seule. On vient vous chercher si vous voulez. Mais toi, c'est le papier quand même. Voilà, madame. Il m'ennuie un peu. Là, je vous le dis franchement, sur ce... Le terme n'est pas très joli. Racolage sur la voie publique. C'est l'évangélisation. Ça fait un peu... secte. Et oui, mais le problème, c'est que les gens qui en ont besoin vont dans les sectes parce que nos communautés à nous ne sortent pas dans la rue. Non, c'est pas une secte, madame. Alors ça va. Mais non, c'est le Sacré-Cœur qui va. Est à votre gauche, d'accord. Madame. Merci. Regardez-moi, je suis martiniquaise, vous me voyez secte, moi. Non, jamais. Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Ah, super. Que son nom soit sanctifié. Madame, s'il vous plaît, un petit papier pour venir prier. Oui, ça va, vous avez une maladie, vous avez quelque chose, non ? Oui, j'ai les nerfs un peu fatigués. Je suis en psychothérapie. Alors écoutez, dans ce cas-là, on va prier avec vous, mais vous venez me voir. Prenez rendez-vous, vous avez le numéro de téléphone, on vous donnera... Vous devez avoir le numéro de téléphone quelque part, je vous le donne. Le Seigneur m'a guéri de mon problème au genou que j'avais. Ça faisait 6 mois que j'avais pu jouer au foot et maintenant, grâce à lui, je peux continuer à faire ce que j'aime. William était footballeur, hein, c'est ça ? Tu es footballeur, hein ? Alors c'était ennuyeux à l'OM, à l'OM. Seigneur, qui me donne la force parce que j'ai déjà été opérée 2 fois des coronaires et puis je dois encore retourner. Je panique complètement. Oui, Jésus, Seigneur. Oh oui, Jésus, rappelle-moi ton prénom. Oh Jésus, nous te prions avec toi, Seigneur. Nous te présentons tous ces chocs émotionnels, Seigneur, qu'elle a vécu durant ses opérations. Et que par ta main très sainte, tu viennes poser ta main, Seigneur, sur ces coronaires. Oui, je sais, monsieur. Parce que bon, je me trouve guérie, plus ou moins, mais quand même, je voudrais quand même fortifier mon cœur. Ah oui. Et autre
chose de plus personnel, c'est que... Seigneur Jésus, nous te confions déjà cette blessure du cœur de Marie-Christine. Nous te prions pour son mari Jésus. Ramène-le, Seigneur, ramène le cœur de cette épouse et viens le consoler de ne pas avoir d'enfant, Seigneur. Christiane, je viens avec une grande confiance, tu sais, ce soir, prier pour moi. Il a été violé, Christiane. Oh mon Christ, Jésus, viens ôter, Seigneur, toutes les marques de ce viol, tous les souvenirs, Seigneur, de ce viol. Mais j'ai conçu l'enfant avec l'amant. Voilà. Et je l'ai élevé avec les deux. J'ai tout expliqué à la fille. Je l'ai élevé avec les deux papas. Et maintenant, je suis seule depuis le renouveau. Elle est oui. Dans le groupe. Oui, ça fait 2 ans, 3 ans. Trois ans. Hein. On a eu 2 événements importants, les 67 ans de mariage, 65 ans de mariage de mes parents et le mariage de ma nièce. Elle n'est pas venue. Oui, là, toute la famille a été déçue. Ou moi, c'est pareil. Oui, je peux quand même être déçue de ma petite fille. C'est parce qu'on avait un week-end communautaire. Et que je suis entrée en communauté et que la communauté est ma priorité. Christiane, elle s'en va le soir chez elle et elle est en communauté. Vous allez bien coucher chez vous le soir. Bien sûr. Et pourquoi elle est en communauté? Son fils est marié, elle est partie. Vous êtes partie une semaine. D'accord. Mais Céline, il faut quand même être... Il ne faut pas être... Mais de toute façon, j'ai été claire, j'avais besoin d'un temps de recul. Voilà, c'est surtout ça. Et voilà. Ça a été avec ma famille, ça a été avec mes amis. C'était important à moi, dans le choix de vie que je faisais, de me retrouver d'abord moi. Mais t'y allais. Et de choisir. Je crois qu'il y a un appel de Dieu qui est si grand, si fort, que l'appel de Dieu lui-même nous détache du monde. Mmh. Il y a un amour qui vous élève au-dessus et qui vous attire à lui. Et ça, on peut dire toutes les paroles, nous n'y pourrons rien. Oui, mais c'est parce que ça, je ne comprends pas. Oui, mais alors là, voilà. Ça vous est offert gratuitement. Vous venez le mardi soir, nous prions avec vous, je vous offre le plus beau cadeau du monde, le plus beau cadeau que vous voyez. Mais non, mais c'est ça, mais non, mais c'est ça. Parce que je suis venue ce soir sur la rue d'Appalue. Mais plus que ça. Mais enfin, c'est vraiment pour nous, enfin pour moi, je ne mélange en personne, pour moi c'est un gros problème. J'espère que ça va se tasser. Ma foi. Il va falloir séparer. N'est-ce pas, princesse? Certainement. Et le rouge vous va très bien. Moi, j'aime pas. Voilà. J'ai besoin de prendre des couleurs. Ah, vous en avez, vous êtes très belle. Et j'espère que je la verrai un petit peu. Pas souvent, mais enfin, au moins une fois ou deux dans l'année. On peut se passer une heure. Allez, d'accord, on en parlera. D'accord. Allez. Voilà. Non, mais ta petite grand-mère a besoin d'être rassurée, c'est tout. Voilà, tu lui appartiens encore un peu. C'est difficile de lâcher sa vie à Dieu. Ça va? Pas trop fatiguée? Ça va. Tant qu'elle saisisse ta liberté. Grâce à Dieu, parce que jusqu'à présent, elle refusait de venir te rencontrer. Mais tu vois, c'est déjà une première guérison. Elle a mais ça viendra, ça ira de plus en plus loin. C'était encore bien, bien au bord. Elle n'a pas pu être... Je lui vole sa petite fille, c'est ça? Quelque part. Or, c'est Dieu qui vole. C'est la différence. C'est que Dieu ne nous vole pas, mais il nous appelle. Alors, mais ça viendra. Voilà. C'est ça.